Salut à tous et bienvenue dans cette 63e édition de votre magazine culturel Les Grandes Lignes. Dans ce numéro, un regard en arrière suivi d'un regard au présent sur notre paysage culturel local. Nous allons démarrer avec ce compte-rendu d'une exposition qui vient de prendre fin ce 29 janvier 2022 et qui était consacrée à l'héritage culturel tamoul. Suivez la ligne. Une rétrospective pour commencer. Nous vous invitons à admirer cette exposition qui se tenait au musée Blue Penny du 20 décembre dernier au 29 janvier 2022, Tamil Heritage. La thématique de cette manifestation était donc axée autour de la culture tamoule à Maurice. Des photos signées George Goldner, datant de la fin des années 50, proposaient un regard historique de la présence tamoule à Maurice. En juxtaposition, une collection d'aquarelles signée Palmesh Kattari évoquait la richesse des couleurs et la symbolique des célébrations associées à cette culture. En arrière-plan, instruments traditionnels et maquettes complétaient le décor immersif de cette manifestation. Rencontre avec les principaux concernés. On fait une petite désaffaire, une exposition un petit peu bon aspect de nos cultures. Et je ne vais pas faire exposition sur la culture tamile dans la culture mauricienne jusqu'à l'air. Donc, il y a une occasion, l'étant Monzouen Palmesh Kattari, qui t'y fait beaucoup aquarelle. Là, il me présente moi son travail. Et Mondiali, Palmesh, nous sommes capables d'aller un petit peu plus loin. Parce que moi, j'ai une photographie, et puis nous sommes capables de gagner un objet, une maquette. Enfin, et nous sommes capables faire une exposition entière et sur la culture tamile. En fait, depuis quelque temps déjà, je me suis intéressé à l'héritage culturel hindou, hein, donc pas là, uniquement tamoul. Donc j'ai dessiné le guide Gawai. Et puis j'ai trouvé quelque chose étant artiste, je suis passionné par les couleurs. Alors toutes ces fêtes comme le Kolatom, le Parkoron, le Kavali, tout ça, c'est des couleurs. En plus, c'est extraordinaire que le fuchsia, par exemple, le rose indien, le rose syrien, est complémentaire au vert qu'on associe dans l'habillement et aussi sur la décoration du cavalier. Donc, quand j'ai dessiné tout ça, et j'avais montré ça à Emmanuel Richon, donc il m'a dit, tu sais, je vais faire une exposition sur l'héritage tamoul. Palmesh, il rentre dans la spiritualité. Il fait un aquarelle au côté presque rituelique, hein, de la culture tamoule. Alors, ce qui est une photo, photographie, il est un petit peu ancien aussi. C'est-à-dire que c'était un Français qui s'appelle Georges Goldner, qui est un photographe désarmé. Et qui travaille pour. Il était à bord du Jeanne d'Arc. Dans les années 50, dans les années, disons 50, 55 jusqu'à 60 et quelques, Jeanne d'Arc, tu fais vite dans Maurice, un porte-hélicoptère, tu fais vite dans Maurice régulièrement. Par exemple, dans Carole, il était là. Mais ça, Georges Goldner, là, il descend depuis sa bateau là, il fait sa campagne photographique, pas seulement la culture tamoule, mais tout aspect de la culture mauricien. Donc dans l'année 58-59, l'étant Monzouen Palmesh, Liline présente moi aquarelle, il était un peu le hasard. Mais là, on dit à nous mettre la tête ensemble et nous faire une exposition avec ça, essentiellement ça des aspects là. Moi, je crois que depuis gosse, j'étais fasciné par les couleurs, donc je suppose que c'est mon âme d'artiste. Et je regardais ma maman quand elle allait dans un mariage, tamoul surtout, donc s'habiller avec le sari très coloré. Et puis elle mettait des fleurs dans les cheveux, je ne sais pas si ça existe encore. Et puis c'est des petites fleurs rouges,
qu'on appelle ça du vermillon, et qu'elle mettait dans les cheveux. Et puis, quand tu suivais, je suivais avec elle, j'allais au Coville, au Temple Tamoul, donc c'est les murs sont animés de dessins très colorés. Et puis tu as le collatum, les jeunes filles qui dansent avec les bâtons qui précèdent le cavalier. Donc tout ça m'a inspiré à faire une série de choses, de peintures. Et puis, quand j'ai discuté avec Emmanuel Richon, donc, on a travaillé un petit peu sur trois volets. C'était la religion, directement, comme le cavalier marche sur le feu, et la culture, la danse, Bharatanatyam, et ainsi de suite. Et puis, on est parti sur la religiosité, donc il y a une relation avec la religion, c'est la religion directement, comme le panakon, la boisson que tu bois pendant la cérémonie religieuse, et aussi le rasson, qui font partie de la culture tamoul, qui accompagne le curry, et aussi pendant le repas sacré du cavalier. Voilà, donc c'est ça qui m'ont poussé un petit peu vers cette réalisation que tu vois aujourd'hui, que j'espère, que je vois très colorée, qui résume un petit peu un état d'esprit qui m'a inspiré pour les faire. Pour moi, je crois que c'est essentiellement la couleur. C'est la couleur que je répercute, qui sont, je suppose, innées, et que je vis dans cet environnement-là. Donc, par exemple, comme je parle d'une veille de cavalier, il y a les fleurs qui sont là, le jaune, safran, le vert des feuilles, le parfum de l'encens, des santales. Et aussi, peut-être dans le fond, une petite musique carnatique qui anime tout ça. Donc ça, c'est des choses de tous les jours. Par exemple, moi, ce qui m'a vraiment, quand j'étais gosse, quand je me réveillais, je voyais ma maman qui priait le soleil avec un sombo, un petit récipient en eau, et puis elle versait de l'eau. Donc c'est des choses comme ça qui te restent dans la tête. Comment elle se maquillait avec du safran, avec du safran pour garder un petit peu la peau jaune. Et donc tous ces éléments-là, et couleurs, safran, c'est là, donc toutes ces iconographies-là restent dans ta mémoire et ça ressort quand tu as appris la technique de dessin. À certains moments, moi, je voulais intégrer, un petit peu dans le modern art, intégrer la broderie. Et tenez-vous bien, j'étais suivre un cours de broderie, et les gens étaient vraiment surpris quand je suis arrivé. Je ne sais pas vraiment broder, mais je connais toute la technique, comment, quel fil il faut utiliser, ainsi de suite. Alors, je voulais faire un mélange, parce qu'il y a quelque chose qui est récurrent, comme je parlais tout à l'heure dans la culture tamoule, c'est les fleurs. Alors, beaucoup dans mes broderies, je trouve que c'est très bien, par exemple, le parcolon. J'ai rajouté des fleurs dans les cheveux de la femme. Et par exemple, pour le cavalier aussi, j'ai brodé les fleurs. Donc tout ça a prêté à ce que je puisse innover dans ma technique et dans ma façon de voir les choses. Sanjivan Mardé, une prête nous, sauf un instrument de la musique. Donc nous nous mettons dans la vitrine et... Il y a là du monde qui a été un instrument typiquement tamoul. Mais il n'y a pas une prétention pour montrer tout aspect, non. Parce que tout aspect, il faudrait y en avoir 10 expositions comme ça. La culture, l'étant lié approfondi, plus ou qu'on dit monde, plus nos relations pacifiées. Donc il y a important qu'il nous présente un aspect divers de nos facettes mauriciennes. Tamil Heritage prenait fin ce 29 janvier 2022 au musée Blue Penny. L'exposition aura proposé aux visiteurs une évocation de la richesse de la culture tamoule ainsi que sa résonance universelle et sa place incontournable au sein de notre société pluriculturelle.
Retour au présent maintenant. Ce 26 janvier, l'Institut français de Maurice procédait au lancement de sa saison culturelle 2022. Quelques heures avant le début, diverses équipes étaient à pied d'œuvre, notamment l'équipe de restauration ainsi que les artistes et prestataires ayant travaillé sur les chantiers de l'IFM durant l'année écoulée. Plus tard dans la soirée, ce lancement se ferait en présence de Son Excellence l'ambassadrice Florence Cossé-Tissier. Muriel Piquet-Viot, conseillère de coopération et d'action culturelle, annoncerait quant à elle aux partenaires de l'IFM un programme étoffé et des rendez-vous autour de différentes disciplines artistiques et culturelles. Cette soirée de lancement se voulait aussi un avant-goût de la Nuit des idées, prévue sur trois soirées du 27 au 29 janvier, avec pour thème la fabrique du changement. Je pense que l'objectif principal, on en a parlé tout à l'heure, c'est que, que notre attention se porte sur l'usager et uniquement sur l'usager. Quelle expérience il va retirer en venant à l'Institut? Quel sentiment il va ressentir en venant à l'Institut? Et qu'est-ce qu'il va apprendre en venant à l'Institut? Les axes pour cette année, vous le savez, enfin, vous connaissez, c'est la fabrique du changement. Donc dans la fabrique du changement, c'est donner la possibilité à tous de pouvoir s'exprimer. C'est aussi des temps forts autour de la Nuit des idées, le mois de la francophonie et le sport. Ensuite, on aura au mois de novembre le numérique. Et après, on a évidemment des moments mensuels comme les samedis en famille. Et un projet de renouvellement de la médiathèque. Dans la même veine, le public découvrait en avant-première la transformation de divers espaces de l'IFM dans le cadre du projet de résidence artistique Les Chantiers de l'IFM. Un relooking du fond et de la forme assuré par le directeur artistique Émilien Jubeau. Au programme de cette résidence qui aura duré une année, transformation de l'aire de restauration en un bistrot, habillé de matériaux de construction comme tuyaux en PVC et contreplaqué, connus comme plywood à Maurice, élaboration d'espaces verts par une équipe de paysagistes, relooking et design du mobilier et pièce maîtresse, une énorme fresque recouvrant l'extérieur de l'ancienne salle polyvalente. On a commencé cette aventure l'année dernière, en début d'année, et ça devait être un contrat, ça veut dire une résidence de 6 mois, mais finalement ça a duré un an. Et c'est toujours pas fini. Donc j'ai encore 6 mois à finir tout ce que j'ai à faire ici. Donc l'Institut de Maurice m'a donné vraiment une corde blanche parce que le brief a été de transformer l'espace et de faire que ce lieu devienne un lieu vivant. Et ben voilà, il y a plusieurs trucs en évolution, il y a plusieurs trucs à mettre en place. Donc moi ça m'a pris environ, là déjà ça fait un an que je suis là-dessus. Il y a eu de la collaboration, il y a eu de l'énergie de plein de personnes pendant un an. L'ex-salle polyvalente de l'Institut accueille désormais la Microfolie, dont la moitié se fait atelier. Comme exposition inaugurale, cette salle, entièrement transformée dans le cadre de la résidence des chantiers, accueille pour 6 mois une exposition graphique du designer Nicolas Bastien Silva. Cette installation évolutive porte un nom cryptique, Motibizin dit un nom. Concrètement, cela se traduit en une multitude de fenêtres graphiques qui résonnent avec la fresque extérieure. L'exposition rassemble images et écrits inspirés de la fresque elle-même. On est dans justement la Microfolie qui comprend justement ces deux espaces-là. On a l'espace qu'on appelle la fabrique, l'atelier, et puis l'espace à côté qui est le musée numérique. Au départ, Mucha Sign pour design l'espace. Ça veut dire dans les murs, la façon que la lumière est, les partitions, le design. Et après, on arrive dans une situation où ben, il fallait qu'on trouve quelqu'un pour mettre dans cet espace-là, pour réaliser quelque chose. De fil en aiguille, qui nous montre sa projet-là, qui nous peut développer sa bentique-là, et que je prends conscience de l'ampleur du travail des milliers as a whole, c'est là qu'il commence à me consommer toute son information-là. Et c'est là qu'on a l'idée de dire, OK, Emile, j'ai assez de matière pour monter une expo, pour raconter notre procédé créatif en fait. On a du coup input, la fresque, dans cette équation-là. On a parlé du coup
des gens qui ont dessiné, qui ont participé dans la fresque. Il y a d'autres personnes qui sont venues pour écrire sur la fresque. Ils ont fait des ateliers qu'ils ont appelés les écrits fresques. Donc du coup, on a récupéré ces textes-là aussi. Et du coup, moi, dans ma tête, les vidéos, gros, mash-up. Et au fur et à mesure que j'avançais, ben, il y avait une espèce de situation où je suis bien capable de rédiger, lire, redistiller. Donc, moi, bizarre de dire non, tout simplement parce que dans la vie, tu as un performance choix, une décision pour faire. Et que là, si tu dis non, ben, tout ça, ça fait la partie peut exister. De l'autre côté, la face B de Microfolie, le musée numérique. Une galerie ludique, interactive et changeante qui propose de voyager à travers l'art et l'histoire. Existant à travers le monde, les Microfolies sont un dispositif culturel visant à intégrer un musée numérique à des infrastructures existantes afin de donner visibilité à une collection muséale. Dans le cas de la Microfolie de l'IFM, Charlie Dautemant assure le rôle de curatrice. Le musée numérique, c'est en fait une plateforme d'œuvres. Donc il y a au total dans le musée numérique à peu près de 1800 œuvres de 12 institutions différentes, françaises et étrangères. Et en fait, le but du musée numérique, c'est d'emmener les œuvres au plus près du public et d'être aussi au fait en contact et en relation avec les habitants de chaque ville, de chaque pays où la microfolie est installée. Donc il n'y a pas une microfolie type, il y a des microfolies. Et donc en fait, moi j'ai été nommée commissaire d'exposition pour lancer la microfolie à Maurice. Et en discutant, après les premiers échanges qu'on a vus d'abord avec Emilien et puis ensuite avec Nicolas, on a vite compris qu'on voulait que la microfolie ce soit à la fois un espace virtuel, mais aussi un espace d'atelier pratique, d'atelier d'exposition, donc où on aurait, où les visiteurs, les enfants, les adultes seraient à la fois en contact avec le côté théorique et le côté pratique. Ce qui déroule derrière moi, là, c'est une collection qui s'appelle la Collection Nationale 2. Donc c'est environ 250 œuvres de différentes institutions. Donc il y a le Louvre, le Centre Pompidou, l'Opéra de Paris. Et il y a 12 institutions en total. Et puis il y a quelques œuvres de chacune de ces institutions et qui donnent un petit avant-goût à tout ce qu'il y a dans la collection. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, le public peut interagir directement avec les œuvres, donc à travers les tablettes. C'est un peu comme le système des réseaux sociaux. Donc, on like, on aime, on a un petit cœur, on aime les œuvres qu'on choisit. Et donc, pendant la visite ou à la fin de la visite, on a une sélection de nos œuvres préférées que nous, on a choisies, avec des œuvres complémentaires, des jeux, des vidéos et toute une médiation autour de ces œuvres. Cette soirée de lancement prévoyait également une performance dînatoire axée sur deux composantes. D'un côté, un happening assuré par Yannick Géry, mélangeant des hommages à la musique locale avec la thématique de la nourriture et des ingrédients typiquement mauriciens. De l'autre côté, la partie gustative de ce programme était assurée par le chef Fabio De Poli, qui fusionnait la gastronomie française aux ingrédients et saveurs de la street food mauricienne. Cette cuisine en fait bistronomie et bistronomique à Maurice. Avec Yann, ce soir, on va bien s'amuser et on a justement pensé au street food. On a travaillé énormément sur le concept et par rapport à la cuisine que je fais d'habitude, on l'a révisité et voilà qu'on a joué autour du par exemple, rougail, chatini, samosa, mais tout a été révisité. Les samosas sont pas salés, ils sont sucrés. On les a fait avec une farce au chocolat. On a ajouté la mangue parce qu'on est en saison des mangues. So notre performance est basée vraiment sur les produits locaux et les produits de saison. Et voilà, so c'est comme ça qu'on a créé ce menu aujourd'hui pour ce soir. Et voilà, mais c'est contrôlé. Pour bien croire et naïver, parfait moment la colère, mais ça m'a guéri malade les pierres. Ça a été une aventure particulière parce que j'ai appris.
plein de choses. Je sais, par exemple, on a fait du product design, on a fait des meubles, on a refait toute la partie VRJ de cet espace qui était quand même dans le brief, qu'on voulait ramener de la VRJ dans cet espace. Et voilà, et moi j'étais celui qui avait, allons dire, j'étais la personne, j'étais un peu le métronome si tu veux. On aura 4 jours consécutifs, on va présenter notre projet. Malheureusement, j'aurais aimé que ça soit une plus grande fête, mais les conditions actuelles font qu'on est très réduit, mais en même temps, ça nous permet d'échanger, de partager, et voilà. Je pense que la réussite de ce projet, elle réside en cette capacité à avoir mobilisé dans ce lieu tout le savoir-faire mauricien. Et maintenant, il s'agira de faire venir aussi le savoir-faire français en contact avec les Mauriciens pour construire des nouveaux projets. Depuis ce 26 janvier donc, l'IFM fait peau neuve et entame une nouvelle saison culturelle. Une série de manifestations autour de l'art, de la littérature, ainsi que des débats et conférences sont prévues. Du 27 au 29 janvier, la Nuit des idées aura aussi permis au grand public de découvrir les divers aspects de cette soirée de lancement. Point final à cette édition, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve bientôt pour un autre épisode de votre rendez-vous culturel, Les Grandes Lignes.